Allez, on y retourne, tu le montreras en live. Bah le S24, ouais, si vous voulez, après je ferai pas de présentation particulière parce que c'est pas... Mais bah, on va craquer. On va craquer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'achète pas de portable tous les ans. Une fois de temps en temps on craque, surtout quand il y a une offre comme ça. Et en plus, je vais être honnête avec vous, mon S8 là, il fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Sauf que la batterie, si je me fais mon tournoi Jurassic World, le jeu, tu vois. Jurassic World va bien tourner sur ce téléphone. Bah, il tourne très bien sur celui-là, il n'y a aucun problème. Sauf que... je dirais, allez, 45 minutes de jeu. Et bah, j'ai plus de batterie. On est un peu déçu. Donc forcément. Ah, 40 secondes. Je vais aller chercher les deux oeufs qui me restent. Du coup, forcément, c'est un peu chiant. En 40 minutes. Donc ouais. Je pense que je vais craquer. Faut pas que j'en parle en fait. Parce qu'en en parlant, j'ai envie de l'acheter. Après 1000€ d'économie, ouais. 1000€ d'économie avec les offres que j'ai. Pas rien. C'est vrai que c'est pas rien. Si c'est pour l'acheter derrière et l'acheter plein pot, alors non, je le ferai pas. Mais l'acheter genre à 600€, franchement, t'es dégoûté. Quoi. Ça crache deux fois, deux, trois fois et je peux jouer toute la journée. Oh, Kitsune, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, de nature sensible, il se retire dans sa grotte quand quelque chose le dérange. Kitsune, attends, attends, j'ai pas eu le temps de lire. De voir pas le texte. Qu'est-ce que c'est que cette espèce? Non, c'était pas le dernier. Peut-être vous rassurer un peu. Kitsune. Kitsune, ça me dit quelque chose, c'est pas un... On n'a pas un Kitsune Ignis? C'est pas un... Je crois qu'on a un Kitsune Ignis. Ou un Kitsune électrique. Non. C'est une des meilleures montures. Ah c'est vrai? Il faut que je le trouve. Ouais, pourquoi... Ah il est là. Ah non, bah, pas du tout. Hein. Oh, il... oh c'est un lion. Un loup lion. Un loup lion. Oh, regarde là l'image. Autrefois, les gens pensaient qu'un Kitsune qui se retranche présageait une catastrophe. Oh, à l'image de x2. Comme monture pour se déplacer lorsqu'il est monté, le froid et la chaleur n'ont aucun effet. Waouh! C'est très 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 intéressant. Plus de froid ni de chaud. Donc plus besoin de se balader avec la selle interminable. Enfin, avec... les deux armures. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est... On va le sortir. En plus, c'est feu. Vous savez quoi? On va le remplacer, Blazehawk. Blazehawk, en plus, c'est 3 en feu. Il va aller dans le camp. Il va aller dans le camp. Il va remplacer Pyrrhon. Il est mieux que Pyrrhon. Tac. Il va aller là. On va sortir. Oh, il est beau. Il est beau, mais mignon, tu vois. Il est pas waouh. Il est mignon. Merci beaucoup, Maxence. Bienvenue à toi. Bonjour, comment vas-tu? Il est sympa, on va le faire XP. Je vais ramasser les œufs là parce qu'ils sont en train de prendre entre les bras. On va les ranger. Tac tac. J'ai trop de trucs encore. Eh bah Kitsune, on va le garder. Ça va être notre monture. On va faire son armure. De toute façon. Attends, mais j'ai un point là. Je vais me mettre quoi? Je vais me mettre. Endurance.
technologie. Celle de Kitsune, est-ce qu'on a? Celle de Kitsune. Il doit y avoir. Ça peut pas être aussi. Je l'ai raté. Ok, on a raté. Kitsune. Ah bah c'est là. On peut le faire, en plus y'a pas de soucis. Niveau 30, merci beaucoup. Depuis un mois, mon écran de tel est fracassé, du coup je regarde tes lives sur tablette. Bon, après, sur tablette au moins c'est plus grand. Je vois mieux. Celle de Kitsune, Waouh. Ah bah tiens, on a un gars qui est en dépression. On va essayer de voir si ça bug ou pas. Ah mais j'ai plus de... Oh, je... Faut que je me fasse ma petite maison. Que mes cachets... Cachets, je les ai plus. Ah, ils sont plus rangés. En fait, c'est plus rangé chez moi. C'est dramatique. Je vais faire tous les coffres. Faire un rangement global, comme ça tout ce que j'ai, c'est que je peux pas. Enfin, j'ai pas de rangement prévu. Ça va faire nuit en plus. Bah, j'ai rangé. C'était tous mes coffres. On va aller récupérer un peu le métal qu'ils ont farmé. J'espère qu'ils ont farmé quand même pas mal. Comme ça, après, on va aller mettre la base du coup dans la zone de quartz. Et la farine. J'ai de la farine. Et le temps qu'on explore le volcan. C'est des clés, il y a encore un fusil à pompe. Plan de fusil à pompe. Ah bon. Faut vraiment que je refasse ma vie, ma maison. Là on est bon, on a de l'espace pour ranger. On va peut-être réparer un peu notre équipement. Réparation. 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 Ok. Au niveau de technologie, puisqu'on est passé level 36, est-ce que j'ai un truc en particulier à part ce que je peux pas faire? On a le grand lit pour pâle. Ensemble de mobilier extérieur. Oh, c'est sympa. Le grand lit pour pâle, on pourrait le faire. Même les grands peuvent y dormir comme des bébés. On va le fabriquer. Comme ça, on va pouvoir améliorer notre base. Parce que si ça se trouve. Putain, c'est énorme! Eh, vous dormez dehors! J'ai plus de clous. Il nous en faut deux, je crois. Hein. C'est ça pour améliorer le camp. Peut-être sur le chemin, capturer Yer Mountain Iglis. Ah, il était level 40, quoi. On vient de le faire. Non mais c'est surtout qu'il y avait les tocards qui nous attaquaient. Il y avait les tocards qui nous attaquaient. Après ils nous attaquaient parce qu'on avait volé un coffre, certes. Mais est-ce qu'ils nous attaquaient pas aussi parce que bah, ils étaient méchants. Parce que si on capture un... Mais j'ai Anubis. Ah mais c'est parce qu'il est en dépression. J'ai pas vu mes... J'ai pas vu mes médicaments. Faut que je me fasse... Attendez. Production. Établi pharmaceutique. Là. Je vais m'en faire un vite fait.
Alors, dépression, c'est médicament haut de gamme, c'est ça. Mais attends, mais ça, je l'ai normalement. J'ai une picousse comme ça, c'est sûr. Bon, vas-y, on va la fabriquer. Par contre, il faudrait que mes mères viennent nous aider. Faut qu'on aille chercher Valet, là. Ah, c'est l'air de dormir? Ok, je comprends. Je comprends, les gars. On dort tous. Elle est venue bosser directement ici ou pas du tout? Oui, parfait. Ah, mais ça se fait tout seul? Et si jamais il y a quelqu'un... Attends, reviens. T'es où Synthèse en cours. Normalement, j'ai. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, c'est là. J'avais peut-être mis là en me disant que de toute façon, ma pharmacie, je la ferai ici. Oh, je les ai. Je sais pas où je les ai mis. Ou alors, j'en avais une et je l'ai déjà utilisée. C'est possible aussi. En combien de temps il te faut pour la terminer? Oh ouais, je suppose une fois de temps en temps, quoi. Ah mais je peux le faire moi. C'est particulièrement long. Bon, on va le laisser en dépression le gars. Je vais aller chercher mon métal. On va faire le déménagement. Attends, je peux améliorer. Coffre en métal raffiné. Du coup le charbon. Ok. Bon. Il n'y a pas un seul morceau de métal dans le... 258. Ouais. Je vais démonter le camp. On va voir si... Alors, d'abord, je vais les ranger comme ça. Je sais que c'est mon équipe de farm. Attends. Vous allez venir ici. Tac, tac, tac. Pas un rangement rapide. C'est mon équipe de farm. Bien joué, les gars. Je laisse tout ça là. Je détruis ça. Ça va pas détruire le reste. Ah, ça a détruit celle là-bas, ok. C'est pas ce qu'il y a de plus. Ce qui est bien, c'est que bah, je peux pas péter. En vrai, je voulais voir si ça détruisait les lits. Mais ça détruit pas, donc c'est parfait. Ah, pas prévu d'être aussi lourd. Attends, t'es sur Kitsune? On n'est pas monté dessus encore. Ouais, ça galope. Ça galope. Je vais vous montrer ce que vous avez visité sur la map. On a fait tout le nord. Enfin, une bonne partie. Après, il reste le désert. Là, on va faire le volcan pour trouver le charbon. Mais on va d'abord aller... poser notre camp. Enfin, notre nouveau camp. Qui farme un peu le minerai, le quartz. C'était par là? Ah bon?
On va essayer de les laisser à mon... Le problème, c'est que là, j'ai pas vraiment de stock de métal. J'en ai 250 à faire, donc il va y en avoir 100, quoi. Bon. Va falloir qu'on optimise et qu'on aille chercher un quatrième camp. Peut-être que Anubis, c'est... Non. Anubis va très bien. Il est juste jaloux de ne pas être dans l'équipe, mais c'est parce qu'il est mauvais. Est-ce qu'il y a encore des tocards là-haut ou pas du tout? Et du coup, objectif, capturer Ragnarok. Ouais. Il y a un gars qui n'est pas jaloux. Alors, pal, pal, boîte à... J'ai pas de pile. Ah. Ça, c'est un peu dommage. Il y a des cailloux, là. Attends, tu vas me dire qu'il n'y a pas de cailloux? C'est pas vrai. Il n'y a pas de cailloux là? Deux. Il en faut combien? Ah, il y en a là! Vécu pour toi le plus puissant des pales. Pour l'instant. En fait, ça dépend des types. C'est surtout ça. Anubis est effectivement costaud. Ça, y'a pas de doute. Bon, Beacon. Ça, tu vois, typiquement, c'est un truc qui devrait changer. Le gars qui se met et qui fait qu'on peut pas construire, faudra le changer. Je vais mettre là. Normalement, ça va. La zone. On voit même pas les... On est bon, on a toute la zone, c'est dommage qu'il y ait des herbes, mais bon. Anubis construit. Bien joué mon pépère. On va se construire. Ah bah on peut se TP. Voyager vers le camp. Voyage. Attendez, voyage. Ah, je me plante de touche. On va aller chercher un peu de cailloux. Cailloux et bois. Tac, tac. Mais putain, mais c'est incroyable, j'arrive plus à trouver. Construction de coffre. Yeah. Ok. Et c'est parti, on sort tout le monde. Tac. Bien joué les gars, je vous fais un petit lit. Je veux du textile, bon, je reviens. Je vais chercher du textile. Et une extermination. Peut-on prendre un peu plus, j'ai peur. Est-ce que je prendrais pas de quoi leur faire un petit peu de ciment, éclat de palladium, bois et pierre? Bon, j'en ai 20, faut combien?
Non, faut pas. Parfait. C'est de palladium. De palladium, j'en ai pas. Bois et pierre, j'en ai pas non plus. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Sang et sang. Ah. Je vais d'abord des éclats de palladium. Où sont les éclats de palladium? C'est pas les... C'est pas l'éclat de palladium? J'ai pas d'éclat de palladium? Genre 98. Putain, j'en ai pas. Je vais aller voir là, mais il doit pas y en avoir beaucoup. À part qu'on demande à Azurob de nous faire un petit peu d'éclat de palladium là. Vas-y. 7, il en faut. De pierre. Il faut 100 de bois donc. Ok, I am ready. Une fois qu'on aura fait, la petite base, on va dire là, après ça restera. Et qu'on step. Alors les petits gars, permettez-moi de vous poser les lits. Ah. Je vais peut-être vous fabriquer ça d'abord. Parce que c'est plus lourd. Voilà, on peut voir. Je crois que c'est bon. Il faut que je leur mette de commande. On va essayer de leur mettre ça. Déjà faut récupérer 7 de quartz, c'est pas mal. Merci beaucoup Tifombrang pour le follow. Oh, j'ai raté quoi de beau. On est en train d'installer la petite base pour qu'il ferme le quartz, comme ça on a une autonomie de quartz. Il ferme le quartz. Et là on va partir dans le volcan. Mais avant de partir, on va aller voir le gros, enfin l'énorme œuf mouillé. Qu'est-ce que je voulais faire? Récupérer des billes. On va leur poser 3000 baies là-bas. Et de quoi manger. Tranquillement, ils peuvent se reposer, ils peuvent dormir, ils ont de quoi manger. Ils ont pas besoin de plus. Ça va aller les gars. Vous allez vous débugger. Un peu de métal on prend. Le bois nous intéresse pas. Ok. Je vous laisse faire le reste. Attends, j'ai que 13 lits sur 15. Je sais pas si c'est parce que j'ai oublié d'en fabriquer deux. Pas de quoi pour le follow, il me semble que je l'ai déjà depuis longtemps. Ouais, après peut-être que ça. Tous les lits sont fabriqués. Rapide direct sur la base. Du coup le quartz on peut pas le raffiner ni enfin on, ça faut le raffiner. Quartz comme ça
Quartz pur. Ok. Par contre, plus tard. Patrouille de braconniers d'élite. Mon petit Kitsune, c'est le moment d'XP. Level 7. Braconniers d'élite, ils vont se mettre ici. Ça va être très simple de tous les éliminer. Tac, bougez pas les gars. C'est level 17. Il est résistant lui. Hein. Il est anti-électricité lui. Level j'ai pas vu combien. Ah, il faut qu'on soigne notre pépère aussi. Par contre, je dois avoir posé à un endroit les sphères de pâle. Kitsune, ça c'est nouveau. Ah ouais, Kitsune, on l'a récupéré dans un œuf. Coup de bol. Bol énorme. Soyez pépère. Attendez, mes sœurs de palado, quelque part. C'est pas possible. J'en avais 500. Forcément, un endroit. Forcément, c'est pas. Ou alors, on m'a racketté. Ouais, c'est pas. C'est pas là, il n'y a pas que. Ah non, peut-être là-bas. Peut-être ici. Je comprends pas. Et mon concasseur est passé où? Ah, j'avais détruit le concasseur, c'est vrai. Attendez, on va refaire le concasseur. Parce que il faut qu'on fasse une production. On passe ça là-bas. Faut qu'on fasse notre du palladium. Voilà. Azurob. Bon courage. Bah du coup j'ai perdu mes sphères de pâle quoi. Très très surpris mais bon. Pourquoi pas. Je vais récupérer les œufs qui sont là. On va aller voir l'énorme œuf. Vous êtes pas con. Lui il a l'air assez motivé à l'idée de le faire. On va tout ça. Ici qu'est-ce que c'est? Hendrix. On va soigner. J'ai l'impression que je viens en attendant. Dépression et faiblesse. Plus en dépression. Ah, il est encore robuste. Il fait quoi lui? Non, mais il est carrément mieux en fait celui-là. J'étais en train de garder un moisi. Constipation, vanité, positif et négligent. Oh, on va repartir sur un farming Nubis level 17. Avec Kitsune, ils vont prendre. Ah, il est négligent lui, c'est dommage en vrai. Ça marche si tu restes appuyé sur la flèche pour augmenter la quantité de fabrication. Très bonne question, je sais pas. Ah, ça me perturbe quand même d'avoir perdu mes sphères de pâle. Je cache pas qu'elles sont... quelque part. Forcément. Où est-ce qu'elles seraient? J'en ai 500.
J'ai besoin de mes 500. Je sais pas si le soufre sert à quelque chose. Non, ça marche pas. Je sais pas si le soufre il sert à quelque chose. Je suis vraiment écœuré, hein. Bon, je les ai jetés. J'ai fait le tour. Perdu, hein. Alors, le gros œuf gelé, on a le gros œuf chaud aussi là-bas. Oh! Van Weer Christ! Encore un nouveau. Trop bien. Ibélix. Van Vierne, il est pas mal en plus. Je l'aimais bien. Oh, Kitsune. Ah, un mieux. Un sang froid, c'est mieux. On change. J'imagine que lui, il fait glace, quoi. Là c'est transport. Estomac sans fond, bah tiens c'est chez les Van Weer. Les Van Weer c'est des estomacs sans fond. Celui qu'on avait XP c'était pareil. Et du coup sans froid on est d'accord que c'est pas le type glace. Ou... Très bien. Je vais manger. Bon app Rex. Le gros œuf en haut. T'es bugué toi? Allez. Il est prêt. Pongulé. Pongulé. Pokémon de type O. Gros œuf gelé. Van Weer Christ, ok. Van Weer. Rendrix, disons, on va quasiment tous les avoir eu en 9. Les 10. On en a capturé un. Ibélix. Cavillé. Pongulé. Et maintenant, pour finir. Un énorme œuf mouillé. Je crois qu'on n'en a pas encore ouvert d'énormes œufs mouillés. Gros oui. Parce qu'on a déjà eu Azurob. Ça doit être dans un gros. Enfin, si c'est un. Si c'est Azurob, je suis écœuré. Hein, je vous dis. Sous-Aquaqua. On croyait autrefois qu'il annonçait la saison des pluies, ainsi les gens cherchaient systématiquement à l'abattre en cas d'inondation dans l'espoir d'éviter les catastrophes l'année suivante. Wouah! Trop bien! Merci pour les applaudissements. On va sous à coup à quoi? On va pas se le cacher. C'est dans la popoche. C'est dans la popoche, en plus il est level 1. Donc lui, il est level 41. Là, bon. Il a quoi? Il a jet d'eau. Après, il est sans froid. On aurait aimé un mieux, hein, mais bon, on va pas se le plaindre. Et du coup, on peut monter dessus. Celle pour Water sous Aqua. On vire qui par contre? Ah, Water sous Aqua, la selle, je m'étonnerais qu'on l'ait. Ah, c'est 43, mais c'est encore plus élevé que 40. On peut pas monter dessus. On peut pas monter dessus. Faut faire un sacrifice et virer Funaris. Funaris fait glace, électrique et normal. Yormuntin il a électrique. Lui c'est feu. Kun il a électrique. Il a où? Anubis, corbe robuste. Défense plus 20%, ça va être pas mal.
Et lui, il est féroce. Après, il est mentalement instable. Mais on s'en fiche, quoi. Il augmente le poids, en vrai, Lunaris. Anubis, il fait quoi avec? Pour faire le type terre aux attaques du joueur. Ouais. Ils pourront jamais, quoi. Ils pourront jamais, donc... ça veut dire que si j'y pense pas, ça veut dire que je m'en suis pas rendu compte. Si je m'en suis pas rendu compte, c'est que c'est pas utile. Même description que celui du feu. Ouais. Pas s'embêter. Anubis est viré. Je vire Anubis de l'équipe. On prend sous à quoi, quoi. Non, parce qu'il faut qu'on l'XP. Faut qu'on l'XP, puisqu'on a besoin de... On a besoin de... Comment ça s'appelle? De haut, très puissant pour faire le gars du volcan et le gars du désert. Donc là, on aura Yormuntin, Suzakuakua. Et voilà. Voilà. En vrai, c'est tout. Pour l'instant. On pourrait prendre un Azurov, mais je suis pas fan d'Azurov. Ah si, on pourrait se prendre... Relaxorus. Il y a une attaque. Ouais, pour, je suis pas. Bah après, on les a pas tous encore. Fais voir si vous avez quoi dans le Paldex. C'est lui. Ah, il est là. Okay. Ah, bah, on aurait pu le voir en plus sans 2B. Pas de B là. Ok. Eh ben écoutez, il y a peut-être encore un haut plus puissant ici, mais il faudra le découvrir. On est à peu près prêt. Il faudrait que je finisse de ranger tout ce que j'ai. Passer nourriture, nourriture. Là, il faudrait qu'on le range. Tous mes œufs sont donnés, oui. Il y a des gâteaux de prêt. Des gâteaux. On fait une reproduction de qui? Une reproduction de qui? De personne? Ouais, de personne, vous avez raison. Non, vous avez raison. Pourquoi? Parce que... Non, mais c'est bon ça. Pourquoi? Parce que... Bonsoir, bon ange l'ours. Comment vas-tu? Côté moins dramatique, attends que les sphères basiques deviennent inutiles. Attends. C'est vrai. Non mais qu'est-ce que j'allais dire? D'un coup, enfin, il n'a rien avalé depuis longtemps. Il est bugué là. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que les reproductions, on va attendre d'avoir genre 10 gâteaux minimum. Comme ça, si jamais on a une nouvelle espèce, boum 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 boum, hop, on a le bonus d'XP direct. Penking et Menasting, c'est une idée. Allez, on dort et on est parti dans le volcan. Là, on est prêt, on a notre armure de réfrigérante, elle est là. La met direct. Un canon sans transfert. On est parti. On a Suzakuakua qui va prendre de l'XP pile poil au moment où on va avoir besoin d'eau. C'est parfait. Et on a Yormuntin pour faire le boulot pour l'instant. Va manger hein, Suzaku, n'hésite pas. Allez, c'est parti. On se met directement en plein milieu, hein, on s'embête pas. Ah non, ouais. Allez. Et on essaie de capturer Ragnarok. Oh. On récupère des œufs aussi. Après, il faudra aller voir la dernière île du coup qu'on a repérée. Encore une zone désert là. De l'autre côté du volcan. Quel niveau pour la salle à Ragnarok? Ah, je sais pas parce que je l'ai pas capturé encore. C'est quand je l'aurai capturé qu'on saura. Mais vu qu'on a Beacon et que c'est le même que Ragnarok, je pense qu'on a le niveau.
Petit œuf, on prend. Après, tu vois, là, moi, le jeu, j'adore. Vraiment, je le trouve trop bien. Mais je pense que c'est aussi le fait que j'ai pas découvert toutes les espèces et donc j'ai encore l'excitation de me dire « Mais qui sont les derniers ? À quoi ils ressemblent ?» Alors que si je savais, est-ce que j'aurais envie de jouer ? Ah, envie de jouer maintenant, en ce moment, oui. Forcément. Est-ce que j'aurais envie de faire genre une deuxième partie ? Et l'objectif, c'est de trouver la zone de charbon aussi. C'est très très gris. Charbon, c'est noir. Une mine. C'est de la pierre, c'est de la pierre. On va survoler la lave qui est là. Tu vas garder lequel? On va regarder en fonction des besoins dans l'équipe. Parce que Yormuntin fait une attaque électrique. Non mais de toute façon je vais garder Ragnarok. On est viking ou on n'est pas viking? On est viking. Oh le viking. Obligé de garder Ragnarok et Yormuntin. Vixen, on a déjà... Fanglop! Level 37. On connaît pas. On a ce qu'il faut. Capture. Pardon, Fanglop, c'était pas bon. Yormuntin. C'est pas un feu, mais c'est grave. Oh, c'est pas mal! Dommage. Charge, oui. Fais un petit peu. Mais pousse-le avec ton nez, c'est bien joué ça, camarade. J'ai pas eu le temps, j'ai rangé Yormuntin. Oh, qui était Sven. Ouais. Personne va pouvoir passer. On voit nos vertes. Oui, elle est partie quand même. J'envoie les vertes. Bon, Fanglob, c'est un type normal. Donc bon, avoir son utilité sur le camp éventuellement. Pas à hésiter à te laisser faire. T'inquiète pas mon grand. Ah mais c'est à ce moment là où il faudrait que j'arrive à le mettre dans son dos. En même temps ça m'embête parce que... Parce que ça marche. Oh, j'allais dire la bulle est bloquée. Et je voudrais pas me retrouver en manque de Pokéball. C'est dans son dos là non? Je vais pas me retrouver en manque de Pokéball sur une capture plus importante. Ouais vas-y. Il y a 2% de chance. Offre-le moi. Oh j'étais dans son dos là non? Il a été surpris. Une.
Il y a bien longtemps, sa belle apparence faisait régulièrement l'objet de peintures. Puis au fil du temps, sa fourrure et ses cornes sont devenues des matériaux couramment utilisés dans... Parfait. GG, merci beaucoup. C'est pas le plus compliqué. Oh, chat, il y a Bushi comme ça, il se balade au milieu du... Waouh! Oh, il est stylé, Reptiro. Attends, mais ils marchent dans la lave, ils sont... Serein. Oh, Reptiro dans la poche. Ah, si, si. Attends, mais on peut marcher dans la lave, il y a un vol... Il y a... Oui, qu'est-ce que c'est? T'as quel sujet? On va nourrir, on connaît. Un petit peu feu, hein. Reptiro, excusez-moi de vous dire qu'il est trop bien. J'allais dire, mais c'est quoi ça? Mais non, c'est encore un truc. Hein. Oh. Bon, le niveau est un peu plus bas quand même ici. Par rapport à la zone glace. C'est quoi ça? C'est du charbon ça ou quoi ça? Mais c'est... C'est d'avion. Ok, donc c'est pas une zone déjà à capture. Reptiro là, je le veux. Vous attaquez les deux tocards là ou nous... Reptiro? Où es-tu? Une attaque haut. Attaque haut, c'est un Van Weir. On a perdu Reptiro. Oh, c'était pas lui, je crois. Et, tu me le tues? Ouais, c'est level 29, hein, level 17, ça peut le faire, non? Bon, s'il te plaît, l'éviateur, là, il se promène, le gars. Mais c'est qui votre ennemi, là? Je comprends pas, moi, c'est pas... Tu es en train d'attaquer Reptiro? Bah, c'est pas mal, en vrai. Je vais profiter de la situation. Je suis dans son dos. Une terrasse fer. Allez la confrérie, on compte sur vous. Ça c'était pas bon ça. Ah ça va. Oh, il y a un œuf. Bon, allez, Reptiro, tant pis. Fais quelque chose, Van Weird. Mon Reptiro, il va mourir. Extermine-le. C'est un équin, un piaf. Mon Reptiro, il est pas mort. Excuse-moi, c'était pas pour toi. Bon, non, mais Yormuntid, il fait semblant aussi. Il va attaquer Reptiro, il va me le tuer. Il a été pris, il est surpris. Il m'attendait pas à, s'attendait pas à ce que j'arrive. Du sang similaire à du magma coule dans ses veines. Si une grande quantité d'eau est versée dessus, elle sera immédiatement chauffée et produit une énorme explosion de vapeur. Chef d'extraction. Salut Ilyes. Merci pour le GG. La confrérie des flammes martyrs. Suzaku, on compte sur toi. C'était beau, Suzaku. Je te félicite, c'était une belle partie. Oui. Consemblant ou...
Pourquoi tu veux pas l'attaquer? Ah, il est bugué. Ah! On a capturé Reptiro, on est content. On rappelle que l'objectif de la zone... Alors, Kelpsi, Ignis, on l'a déjà. L'objectif de la zone, c'est de trouver du charbon. D'abord et avant tout. Maintenant, si on a trouvé des nouvelles espèces, on est content. Ici, il y a une petite zone de soufre, mais on... ça aurait été bien que ce soit avec du charbon. Charbon soufre. Pas mal de gars qui se promènent avec... avec l'envie de cracher des flammes sur tout le monde. Il est level 43, 34. Ah oui, c'est agressif, dis donc. J'ai rien fait, moi. Ah, il y a une tour, là. Il y a une tour de téléportation. Oh, il y a une statue là-bas, ça veut dire qu'il y a un boss. Oh, il y a Blazamut en boss. Blazamut 49. On connaît pas. On n'a pas vu. Bon, ça se fait que... je l'ai pas vu. C'était quoi? C'était un... je vais voir. Je vais aller voir. Voir à quoi il ressemble. Attends, on l'a vu sur la map. S'il faut rentrer dedans, on le fait pas. Mais s'il a l'état sauvage, on prend. Merci pour les GG. Il est là-bas, ok. La statue de Lichpunk. Je suis quand même assez curieux pour de marcher dans la lave. J'ai envie de tester quand même. Je vois tout le monde se balader dedans. Je me dis peut-être que juste une source chaude. Ouais, voilà. Hein? C'est là-haut? C'est là-haut? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Normalement, on est bon. Parfait. J'ai plus beaucoup de terrasse faire, hein. 10. Pas le droit à beaucoup de tentatives. Pas encore recroiser Ragnarok. C'est lui qu'on veut. Attends, il est là. Plus haut. Même pas de points à rentrer à l'intérieur. Quoi? Une grotte? Ah ouais, il faut trouver l'entrée de la grotte, quoi. Après, c'est un level 49. Bon, du coup, de toute façon, si c'est une grotte, on y va pas. Dans les galeries oubliées, certainement. Dans les galeries oubliées. Parce que là, on y est allé, là. Ouais, on y est passé, quoi. On n'y est pas allé, mais on y est passé pour après aller là. Comme Manesting ou King Kappa. Ah, bah si c'est ça, ça va. Ah, il faut trouver l'entrée. Que je suis curieux de voir à quoi il ressemble. Merci. Je suis en train de paniquer. Alors. Par là, on sait qu'il n'y avait pas d'entrée. Par là, on n'est pas sûr du tout. Mais on va dire qu'il n'y en avait pas. L'entrée, elle serait par là.
Alors. Pas de la montagne forcément. Ouais ouais non mais je sais bien. Enfin je me doute hein. Mais je vais juste aller voir si. Il y avait un truc en haut. Ah oh, bah non là. C'est pire. J'ai dit ouais. Aha ! Les galeries brûlantes. Voyons, voyons. Ah c'est 49, on va pas le faire, hein. Je vous le dis tout de suite. Une mine. En même temps, c'est comment il s'appelle, Belzébufo, Blazamut, ça fait très diable. Y'en a pas un qui s'appelle comme ça là. Je lui tire juste un coup dessus. Histoire qu'il se lève et qu'on voit à quoi il ressemble. Flamme spirituelle. Aïe. Il a l'air plutôt sympa. Ouais, ouais, il est sympa, ouais. Wow, Inferno! Ha ha! Bon, après 49. Wow! Ah, il est sympa. Ouais, il m'a donné un petit peu chaud, en vrai. Il est sympa. On dirait un peu Rajang dans Monster Hunter. Ah, je connais pas assez. Très bien, Blazabut. Ça, on aime bien, tu vois. Ça. Ça, il y a de la puissance. Parce que le Pégase, il est sympa, hein, mais ça, c'est mignon, quoi. Il n'y a pas de puissance. Va. Ah, mais c'est là. Oh. Oh, mais je croyais que ça allait être ici, moi. Oh. Regarde, on revient. C'est pas toi qu'on veut. Allez, on y retourne. Ah bah y'a un petit coffre. On y retourne, on rappelle qu'on a un objectif, c'est de trouver du charbon et Ragnarok. Merci beaucoup. Ça donne un boost. Je trouve ça très dommage qu'il y ait plusieurs versions de PAL au lieu d'autres nouveaux PAL. Ouais, après. C'est. Ah, je suis d'accord. Complètement. Les versions Ignis, Christ et tout. Mais ça reste un jeu qui. Il ne va pas y avoir un PAL World 2 maintenant. Tu vois. Là, on est parti sur des années et des années de PAL World. Et ça va être des mises à jour régulières. Et je pense qu'ils vont faire des updates. Genre saisonnières. J'en sais rien, hein, je dis un truc, mais par exemple, au moment de l'hiver, boum, mise à jour, on ajoute 15 nouveaux pales froid, glace. En été, on en ajoute 30 eau et feu, tu vois. Oh, peut-être excessif. Hein. Du coup, c'est juste pour dire, il y aura régulièrement de toute façon des mises à jour qui ajouteront des nouveaux. Après, j'espère qu'ils vont pas faire un par un. Parce que ce serait un peu moisi. J'espère que ce sera pas non plus 5 par 5. J'espère qu'ils vont pas faire comme Planet Zoo où tu sais, ah, un pack de nouvelles espèces, 15 balles pour en avoir 5. J'espère qu'ils feront des mises à jour gratuites et. Ils ajouteront plusieurs espèces d'un coup. Du coup, je voulais aller voir la statue là-bas, mais au final, ça nous sert. Pour la plupart du jeu du genre, ils gardent exactement les mêmes bases mécaniques en changeant juste l'apparence.
Ouais. C'est pas étonnant. Mais en vrai, tu préfères quoi? Parce que peut-être qu'ils avaient pas d'autre idée. On va aller dormir. Tu préfères qu'il y ait genre 60 espèces dans le jeu que des uniques? Ou que t'en aies 100 avec certains qui sont un peu doublons? Sachant que c'est pas comme s'ils avaient fait. C'est genre. Mamorest plante, Mamorest feu, Mamorest glace, Mamorest. Tu vois? Il y en a deux. Parfois deux. De la même espèce. Tu veux que je te dise où est le charbon? Non. Non, je vais découvrir. Le principe, c'est aussi d'explorer. C'est explorer, prendre le temps. Tiens, on va aller se TP là-bas, voir vite fait. On va peut-être s'équiper d'abord. Notre armure métal, je pense. Tac. Récupérer le quartz. Vous avez rangé quoi pour, 66, putain, ça bosse pas des masses, hein. Ouais, bah c'est bien de le faire maintenant, mais faudrait qu'on en capture plus des. Des comme lui là. Ah, il y a un peu de métal aussi, c'est quand même pas mal. Je peux pas me TP là. Ruant d'herpète. Il n'y a pas à se plaindre à ce point, il y a quelques espèces en double seulement. Ouais, ouais. Enfin, après, à ce point. Non, ce ne sont pas plein. De manière excessive. Hein. Je vois bien. Ok. Beaucoup d'œufs. Arranger plus tard. On va se remettre notre armure. On va aller faire dodo direct et on y retourne direct. Du coup, re-enderpet, qu'est-ce que t'as raté? Ben, je sais plus quand t'es parti, mais on est en train d'explorer le volcan. Et le volcan est positif pour l'instant. Ah, attends, et on a capturé deux espèces là. Qu'est-ce que c'est? On va voir ce que c'est. Une espèce. Deux. Une ou deux. La capture est deux espèces. Fanglope qui coupe du bois. Ok. Sans froid. Tu vois, c'est pareil, tu vois. Au final, là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est Reindeer ou je sais pas quoi, là. C'est la même chose. Pas tout à fait la même chose. C'est un haut. Et surtout, Reptiro. Oh, qui farm. Parfait, chef d'extraction. Capacité d'extraction du joueur augmente de 25%. Ah, on peut monter dessus? Utiliser comme monture pour se déplacer, le minerai se brise plus facilement lorsqu'il est monté. Alors, fais voir un petit peu. Reptiro. Reptiro. On peut la faire. On n'a pas de lingot de métal. Mais on peut la faire. On va aller l'essayer vite fait. C'est une antilope, pas un cerf. Ouais. J'ai pas de contre-arrivée. C'est un truc avec des bois. Donc, pareil. Lularis, tac, tac. Reptiro. T'es allé à l'arbre. L'arbre, il y a un mur invisible, on peut pas y aller. Salut Jade, bonsoir Jade. Comment vas-tu? Reptiro. Hop, on va aller vite fait dans la zone de farm. Je vais remettre. On va aller le tester en montant sur son dos. Bonsoir Kakamou. Ça va bien? On va l'avant. Tac, tac,
Putain, j'ai gâché une terrasse verte là. Wouhou! Ok, pas mal. Non mais la première attaque, elle est extraordinaire. J'ai pas vu le nom. T'aurais trop voulu le voir. T'aurais trop voulu voir qui? Nice et Anubis ont un design un peu similaire aussi. Ils sont trop stylés. Ouais, ils sont trop stylés. Mais c'est pareil, tu vois, en vrai, quand ils pensent, ils pourraient faire quasiment tous les dieux égyptiens. Éclat volcanique! Incroyable. Trop stylé. Alors on va mettre à la place de qui? Là on en a deux qui font du transport. On a lui qui fait du transport. On a lui qui fait du transport en x3. Lui coupe du bois, c'est un peu chiant. On va te virer. On va mettre Pyro à la place. Allez les gars, on bosse hein. 46 déjà, c'est bien. 13 de métal, c'est bien. Ah, ça, ça bosse. Là, ça fait plaisir. T'aurais trop voulu voir qui du coup? Les œufs sont comment là? Et on a récupéré Suzaku d'eau. Si jamais. J'avais pas vu. C'est le rouge, mais. Enfin, c'est lui, mais en bleu. Tac! On est reparti. Recherche de Ragnarok et du charbon. Ah, j'ai un choix. On va aller par là. Confrérie des flammes éternelles. Pyrin. Écu de chêne. Métal. C'est vrai qu'on a récupéré beaucoup d'œufs. Tiens, il y en a. On a récupéré beaucoup d'œufs. Si jamais il devait rajouter une région, une zone, un environnement, verriez quoi, vous? Est-ce qu'il manque quoi? Il manquerait peut-être un environnement marais. Et encore, même pas, il y a. Là où il y a les grenouilles. Il y a tous les environnements. Jungle. Ah, c'est vrai, une jungle. J'aurais trop voulu le voir. Ah ouais, l'arbre. Ah ouais, peut-être l'arbre. Ouais, bah après, ce sera certainement plus tard. Ils ont certainement prévu d'y mettre un énorme boss ou un truc comme ça. L'océan, effectivement. Ouais, l'océan, ouais, c'est bon. Zone de minerai, local, assez intéressante aussi. Du charbon avec non mais c'est sûr là-bas, de toute façon c'est trop déjà trop visible parce que tu le vois n'importe où t'es sur la map et il y a une île autour, donc forcément il y aura un truc où on rentre au cœur de l'arbre pour combattre Yggdrasil. Toi t'as Ragnarok, Jormungandr, t'auras un truc comme ça, Yggdrasilion. Yggdrasilus. Yggdrasilion. Yggdrasilion, ça sonnerait bien.
Yggdrasilion, ça sonnerait bien. Théorique charbon, je dirais soit au bord de lave, soit dans une grotte. Oh plus cher! Ah non, ça va. J'ai cru qu'on était passé à travers le rocher. Après, je cherche Ragnarok. Hein. J'avoue. Pierre 1 qui se baigne les sabots. On avait pas vu un lave ici. Il y a un coffre dans la lave. Comme boss, réanimer les os des pales géants. Non mais il y aura un truc de toute façon, mec. Enfin, pas forcément les réanimer, tu vois, mais branche qui ne prend pas feu. C'est le bras de Gollum. Mais enfin, il faut en vrai. Il faut qu'il y ait un événement ou un truc comme ça. Où t'as un pal gigantesque. Si t'as des squelettes, il faut qu'il y ait le pal. En combat. Quitte à ne pas le capturer, tu vois. Au moins le combattre. On va remonter jusqu'au sommet, on sait jamais. Et après, on va redescendre par là. Énorme œuf chaud. On va redescendre là. Un coffre. En pale unique. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais. Ouais, carrément. Tu trouves nulle part ailleurs, à part dans l'événement. Clairement, hein. Tu te fais pas bouffer avant de te noyer sous le... Après... C'est vrai que du coup, des pales aquatiques... Ouais, il y en a avoir des tas. Méduse. Médusia. Alors, on trouve plus d'œufs que... Presque plus d'œufs que de vivants. Un coffre ici. Il y a pas les fonds marins. Non, il y a pas les fonds marins. Un craquet là. Non mais en vrai, il y a une possibilité énorme quoi. Puis après, quand ils en auront un peu, enfin pas marre, mais si ils ont fait un peu le tour du type d'espèce qu'ils peuvent faire, et ils font comme Pokémon, ils en font des objets. Soit un navire. Ou... On connaît ça? C'est du métal ça ou c'est pas du métal ça? C'est du métal. Bon, du coup, on sait qu'on risque rien dans la lave maintenant. Si on a inventé des Pokémon moto, tu peux inventer quoi d'autre? Ah, en vrai... Pokémon météore. Enfin, en même temps, un Pokémon météore, quand tu vois Grolem et tout... Ça colle assez. Non, mais en vrai... Oh! J'espère que c'est un Jelly. Yeah. Viens là! Me le tue pas. Hein. 35 contre 34, normalement, ça le fait. Oh la vache, bien joué le tir! Il est brassé! Oh oui, pas mal les dégâts. Encore! Oh, il a deux attaques tornades, c'est pas folichon. Mais tu y allais beaucoup trop fort, Yarmountid! Faut redescendre, on galère 45 minutes pour en trouver un et il nous le tue! Je vais faire du bouche à bouche. Arrête-toi, mon grand. Oui! Envole-toi, ne te laisse pas abattre! C'est rien, c'est de l'eau! T'as même pas de flamme sur toi! Tu t'as juste lavé un peu fort, mais. Oh, on est dégoûté.
Méthénos. Il existe Méthénos? J'avais vu en une seconde avant, j'attendais tellement ton cri. C'est agressif, comment vas-tu? Ah, oh, je suis écœuré, on va tuer. Bon. On va la retrouver. Elle avait un ici, on en trouvera l'autre. Putain, mais ça a l'air rare en vrai. Dans un certain, t'en croises 40 quoi. Lui, on l'a croisé une fois, il a disparu parce qu'on n'était pas prêt et il est peut-être. Peut-être fait tuer. Et là, on en croise un deuxième et. Sur Pokémon Lune et Soleil. Ah bah, tu vois. J'aurais pu être un créateur de Pokémon. Non, mais en vrai, il y a toujours moyen hein, d'inventer. Après, tu peux aussi faire des extraterrestres. L'avantage, c'est que là, dans l'univers PAL, vu que c'est eux qui ont créé ces monstres, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Si j'ai envie qu'un petit martien soit un pâle. Alex, j'ai pas voulu les trouver. Ah, c'est dans le volcan, hein, j'imagine. Ok, prochain objectif. Allez voir Astégon. Astégon, on connaît pas. Mais je pense qu'il y a un glace qu'on n'a pas vu. Il y a toute une zone centrale de la glace qu'on n'a pas fait. C'est trop bien d'explorer aussi. J'avais pas trop pris le temps jusque-là de le faire. Tu veux que je te donne un indice où se trouve le charbon? Non, 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 non. Non, non, c'est gentil. Non, mais on va le trouver. C'est juste que j'explore. J'aime bien être en hauteur. Warsect a mangé une baie rouge. Warsect, il est trop stylé, Warsect. Il n'y a pas d'araignée d'ailleurs. Il est sur la droite. Okay. Il y a une statue de Lichmann là-bas. Encore un œuf, mais les œufs. Je vais avoir que ça dans mon inventaire. Moi pour l'instant j'ai pas encore vu toutes les espèces donc je peux pas dire ce que j'aimerais qui est réellement tu vois. Si ça se trouve allié. Je voudrais pas me faire spoiler. Il y a un truc que j'aimerais particulièrement. Alors, on l'a complètement passé, hein. Donc, soit c'est pareil, c'est une grotte, et parce que celui-là, au final, on était rentré par là. Ça me semble un peu loin. C'est des Vanwerk. En train de me dire trop bien. J'ai hâte de voir les futurs bots de type overall sur ce jeu. De type overall, c'est-à-dire? Pas sûr du bon. Tu as quoi dans trésor dans ton inventaire? Je sais pas. J'ai un trésor dans mon inventaire. Je vais trouver la porte. Pour moi, ça peut pas non plus être. On était. Dans 13 heures. Tu as quoi dans 13 heures dans ton... Ah, 13 heures, ah ouais. Ah! Ah, d'accord, c'est ici que ça se met. Oh, incroyable! Oh, je découvre. C'est toutes les selles qu'on a construites. Ah, intéressant. Oh, il y a un château! Wouah! Il est trop beau! Oh, je veux m'y installer! Attends, en vrai, quand ils pensent, en plus, ils ont fait boucher.
Ils ont fait Bushi, tu vois. Donc un humain, entre guillemets. Et c'est pas le seul d'ailleurs, il y en a d'autres un peu humains. Tu mets un paladin. Ce serait trop stylé. Tu peux les enlever ou pas les celles? Bah je sais pas si on peut les ranger dans le coffre du coup. Après ça n'a aucun intérêt, ça fait pas de poids. Pas de poids donc ça n'a aucun intérêt. Bon, il faudrait qu'on trouve une petite, des petites constructions humaines là pour rentrer dans le tunnel. On rentre par le château. Ah mais le château il va jusque là-bas. Attends mais c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Bon après c'est pas la première fois qu'on voit un château. Hein, mais... Oh là là, il y a un reptile. C'est du charbon ça? C'est sympa que ce soit du charbon ça. T'imagines? L'énorme bazar à farmer. Tu vois, c'est Astégon que tu cherches. Ouais, ouais, mais... Chut. Ah, des Pokéballs. Tiens, mange un steak de Babores. Toi aussi, toi aussi. Il est en train de mourir le steak. Tu as un Babores pour rien. J'ai du pain. Qui veut du pain? Bon, les pyrins fuient. Fruit de tempête ardente, fruit d'éclats draconiques et d'éclats fulgurants. D'éclairs fulgurants. Mais tu vois, moi c'est un truc qui me frustre dans les jeux vidéo. C'est de te mettre des trucs comme ça. T'es dans un jeu où tu peux faire des constructions et de pas te permettre de faire ça. Je trouve ça trop frustrant. Vous pouvez le faire, la preuve, c'est fait. Donnez-nous la possibilité de faire les mêmes types de constructions. Ah! Ah bah non, c'est le château. Quel dommage. Quel dommage, j'ai envie de construire un truc comme ça. Bon, l'entrée de la grotte pour l'instant. T'as combien de statues? 23, je crois. 24. Et bonsoir, ma fat, du coup. Je pense à toi aujourd'hui après avoir vu la vidéo du grand malade qui a fait sa base d'une ville énorme. Je sais pas si tu l'as vu, mais je te la conseille. Ah non, j'ai pas vu. T'as raison. En vrai, les bâtiments, ils sont jolis. Hein. Sachant qu'on est encore quand même assez limité quand même dans le jeu. Sur les types de construction. Putain, mais je vais pas retrouver Ragnarok non plus. Je peux te mettre le lien. Non, il va être supprimé. T'en mettes pas. Je descends pile en plein milieu. Salut les gars! Je m'en vais. Astégon, pour l'instant on l'a pas trouvé. Je continue de descendre. Ici c'est de plus en plus sombre. C'est pas impossible qu'on trouve du charbon dans le coin. Non? Il y a l'évanouir, mais. J'ai plus que 3 places pour des œufs. Par qu'on rentre. Oh Ragnarok, il va faire nuit. Ne pas se planter. Yeah. Pas tirer.
Je vais pas tirer. Je vais garder le contrôle. Bien joué mon petit Suzaku. Tu fais pas. Arrête de faire des attaques là ça. T'as pas une attaque haut là? Bon, c'est pas si mal. Pour l'instant il s'est coincé là, il a le bec coincé dans le mur. Profites-en. Après j'y tirerai, je mettrai plus de dégâts que toi, mais bon. Allez mon pépère. Faut juste taper une ville, pas le voir entière. Construite c'est par un joueur, je sais même pas comment il l'a fait tellement la ville est énorme. Il a utilisé aucun mode. Ok, bah, merci pour l'info, j'irai voir. Merci beaucoup Franzini, attends! Oui! Oh dommage! Oh cher plus. Oh merde! Oh, il y a Van Weir qui arrive! Il va nous le tuer! Non! Extermine-le Van Weir! Fire Mounted! Bien joué, deux balles à côté. Oh bah oui, bah voilà. Franchement, Yormounted, je t'aime. Extermine-le, pas de problème, one shot. Merci beaucoup Franzini pour le 20e mois d'abonnement de niveau 2. Merci à toi pour ton soutien. Le sub tier 2. Fait plaisir. Ah, oh, Lipsunic Ignis, on l'a pas mis. Là, je suis écœuré. Qu'est-ce qu'il est venu s'attaquer à lui? Attends, je suis coincé, chef. Mais non, c'est pas le moment d'escalader. Ah, oh, je l'ai pas. C'est le classique. Je l'ai déjà. En Ignis. Bon, au pire, ça fait toujours un bonus d'XP. Ah oui, je l'avais déjà. J'avais zappé. Là, je suis tellement dégoûté, mon Ragnarok. C'est par ces vieux tocards là qui se promènent. On voit plus rien en plus. On va rentrer mais il nous faut une zone de TP. Enfin un point de TP. Y'a pas de tour là. Mais c'est encore immense hein. Et j'ai pas trouvé l'entrée d'Astégon. Je pense que je vais me TP là et on va regarder par ici l'entrée d'Astégon. Juste essayer de rentrer. Y'a pas une tour là sur le bord de mer? Et déçu. Gros œuf chaud. On est plein. Bon, on pourrait acheter ça. Dans 4 mois, 2 ans, le temps passe vite quand même. Ouais. Un Sinar, on l'a du coup. Je vais récupérer l'œuf qui est là. Faut qu'on se trouve un point de TP. Et donc le volcan et la zone de. Enfin la montagne enneigée là. Misère pour les TP. Hein.
Misère pour les TP. Hein. Il nous faudrait un abra. Le pal téléportation. Tu as déjà croisé du charbon dans l'ancien live, mais tu l'as pas vu. Ah bon? Je sais plus où j'étais. De toute façon. Il y a un truc de TP là-bas. Tablette de téléportation. Eh bien, on avance moins, non mais clairement, puis on explore. Hein. Puis là, y a, on va avoir plein d'œufs à ouvrir. En attendant, on est en train d'accumuler du quartz. Je sais pas où est la statue, elle est là. Ragnarok, on est dégoûté, quoi. On est dégoûté. C'est au pied de la montagne. Enfin, de... Château. Ah, Nocte, c'est nocturne. I understand. Du coup, là, le Mufasa qu'on a, c'est un Mufasa nocturne. Pire un Nocte. On va tenter de le capturer. On n'est pas sûr de le recroiser souvent parce que j'aime pas jouer la nuit, comme on voit rien. Il est level combien? Tiens! Rien à faire. C'est-à-dire qu'on va croiser Mufasa... face à deux feux, quoi. Oh, j'ai fait tomber une branche. Un yai bien joué, écrasé sur le mur. What? Mais attends, mais la portée est phénoménale! Bon, le jour se lève, on a plus besoin d'aller dormir. Il y a potentiellement un Mufasa dans le biome volcan, exactement. Par contre, les chances de capture, c'est quand même assez faible. Hein. De toute façon, on va rentrer. Et on va s'en refabriquer. Let's go, parfait. Féroce, brûle une mystérieuse matière noire en énergie pour ensuite expulser les particules restantes. Quiconque le monte s'expose à passer du côté sombre. Merci pour le GG. Qui est level 23. Il faudrait qu'on fasse les petits combats de boss. On va expliquer. Il y a un village. Oh, on voit plus rien, je suis écœuré. Tu sais que je verrais trop un chevalier Bushi, comme Bushi, tu vois. Templar. C'est incroyable, en vrai. On pourrait être tellement stylé. En armure et tout.
presque combien de pas la capturer. Une petite, une dizaine, je dirais. Bon, on va rentrer. On va se refaire de l'équipement. Et on va y retourner pour aller trouver lui, voir à quoi il ressemble. Et bah, pour continuer de chercher le, du coup, le charbon. Enfin, une zone de farm charbon. Et Ragnarok. Enfin, on n'a pas trouvé. Je suis écœuré. On va ouvrir tous les œufs aussi. Alors, les œufs. Normalement, on sait ce que c'est, non? Ah, c'est ça, c'est le feedran. Chef d'extraction. Okay. Donc on va finir notre bonus de capture et feedran. Enfin, finir peut-être pas, mais en tout cas, on va bien. Peut-être il nous en manque 3. Énorme œuf, il est là, 1h20. 7 gâteaux, mais ça bosse pas des masses, hein. J'ai l'impression qu'il bosse pas en vrai. J'ai l'impression que ça se tourne les pouces quand même pas mal. Hein. On va fabriquer. Merci Lunaris. 1h20 c'est long, ouais, parce que c'est un énorme. J'ai plus de live sur Jurassic World le jeu. Non. Extrémiste de LPP qui attaque. On va aller voir ça. Pas mal à ranger encore. Planté, je voulais pas faire ça. Il y en a qui sont passés ailleurs. Hein. Sur un serveur, c'est 36-48 heures. J'aimerais bien 1h20, moi, sur 2FK. Sur un serveur, c'est 36-48 heures. Ah ouais, c'est énorme. Ça, c'est typiquement, je vois. Clairement, on n'a rien capturé. Ah si, on a capturé, bah du coup, lui et Lipsung, mais qu'on avait déjà. Et Pirin, qui est féroce. En pire, après, du coup, il ne sert à rien. Ok. Tous les œufs sont rangés. À tous les incubateurs sont rangés. Pas rangé, eux ici. Là, je pensais avoir mis trop de trucs là. Il n'y a pas de temps d'expo. On va fabriquer des sphères. De métal, j'en ai un peu éclat de paladium, on a fait du stock. On revient comme ça.
Normalement, avec l'éclat de palladium, il nous en a fait là-bas. Pas beaucoup de repassage de farine quand même. Ok. Vite. Imagine les douleurs hyper sérieuses en faisant leur ah ouais. Quoi? Trop bizarre avec leur A. Poudre à canon, on va la récupérer, c'est fait. J'ai trop de fruits, quoi. Épique! Ah, j'ai un fruit épique. C'est quoi? Éclair fulgurant. 150 en force. Contre 55 pour un rare. Ah oui. L'habituel c'est 30. Laser chercheur. Bruitage des humains. Ah oui. Pardon. Il est rangé là les. Enfin, pas les œufs, mais. Ok. Ok. Est-ce que... Ils ont fini de nous faire nos 20 terrasphères là. Ouais, je regarde si je peux... Ah mais ils bossent pas les mecs. Je peux faire une amélioration aussi. Ah, on peut améliorer un peu. Ça manquera, on est à 8. Il nous en faut 23. C'est là où Anubis va nous manquer. Il y a une repro en cours. Il n'y a pas de repro en cours parce que j'attends d'avoir 10 gâteaux. On est en train d'arriver. Pour pouvoir mettre 10 œufs. Et comme ça, on fait, si jamais c'est une espèce qu'on n'a pas, les 10 d'un coup. Comme ça, on a, les, on a le bonus d'XP direct. Ah, c'est bien, va. Un petit coup de main. Allez, tous ensemble. C'est les plus longues à faire. Hein. Après, on est plus rapide. C'est vrai que le fait qu'on n'ait pas de repos, à la limite, on pourrait mettre Anubis. À la place, comme ça, il file des points. Et on pourrait se mettre... On pourrait se mettre... On va aider à farmer. Thinking Menacing devrait te plaire. Mais c'est le prochain qu'on va faire. C'est le prochain qu'on va faire, mais et j'attends les 10 gâteaux. Quelle misère. Bah pour le replay, le temps qu'on fait ça, je vais couper. Comme ça, bah ça passe pour la vidéo, quoi.